Coucou les petits loulous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Cric crac, mon histoire commence. Oust, attention aux ours. Les panneaux disent de ne pas entrer. Je crois qu'on devrait faire demi-tour, non? Regarde! Encore un panneau qui dit « Attention aux ours !» Ça ne te fait pas peur? Moi, si. Je n'ai pas du tout envie de rencontrer un ours. Ne me dis pas que tu veux t'aventurer dans cet endroit. J'ai vu quelque chose bouger dans l'herbe. Puis disparaître derrière ce rondin. Ouf, ce n'est qu'une souris. Qu'est-ce qui se cache derrière cette pierre? J'aperçois une patte qui dépasse. Tout ça ne m'amuse pas du tout. Si on faisait demi-tour. Berk, je déteste les araignées. Je suis sûre qu'on nous observe. Là-haut, dans cet arbre, il y a quelqu'un, non? Je te rappelle que les ours savent grimper aux arbres. Tiens, des chauves-souris. Cette mare aussi a l'air bizarre. Crois-tu que des ours pourraient se cacher sous les nénuphars? Oh, des grenouilles. Ça, c'est plutôt sympa. Ne me dis pas que tu as l'intention de traverser ce pont. On pourrait rencontrer des ours de l'autre côté. Si tu veux que je te suive, tu devras me le demander très gentiment. À ton avis, qu'est-ce qui se cache derrière ce mur? Si tu y tiens vraiment, tu peux entrouvrir la porte. Mais je te préviens, nous n'irons pas plus loin. Tu es beaucoup plus courageux que moi. Es-tu toujours aussi désobéissant? Ce jardin, à qui crois-tu qu'il appartient? J'espère qu'il n'y a pas d'ours dans le coin. Cette maison est habitée. Pas question de s'en approcher. Regarde, la porte est entrouverte. Rebroussons chemin avant que quelqu'un ne nous surprenne. Ne me dis pas que tu veux entrer. Chut, doucement, il ne faut pas qu'on nous entende. Je me demande qui vit ici. J'espère que ce n'est pas un ours. Et ne me demande pas de te suivre à l'étage, car nous n'irons pas. Chut, il y a un bébé ours dans un des lits. On n'aurait pas dû monter, je te l'avais dit. Sortons vite sans faire de bruit. Il ne faut pas réveiller le bébé. Regarde, des bols de porridge. Les habitants de la maison vont passer à table. On ferait mieux de partir. Ne me dis pas que tu veux voir ce qui se cache derrière cette porte. Chut, c'est sûrement maman ours. Rentrons chez nous. Au secours! Voilà papa ours, il va nous attraper! Vite, filons d'ici! Ferme le livre! Ouf, on a échappé belle, hein, les loulous? Cric crac, mon histoire est terminée. Si tu as aimé cette histoire, laisse-moi un petit pouce bleu
Et surtout, abonne-toi pour savoir quand une nouvelle histoire sera disponible. À bientôt les petits loulous, bye bye!